Hey tout le monde et bienvenue sur Cities Skylines et on reprend pour l'épisode numéro 16. Waouh, ça fait beaucoup d'épisodes et regardez notre ville, notre Bordeaux. Notre Bordeaux qui devra continuer par là, non mais bien sûr. Donc on a une faible exigence, on a une faible exigence résidentielle qui est très très bien. On a une exigence commerciale assez moyenne et une exigence industrie ou bureau assez faible aussi. Ce qui est important surtout, c'est l'exigence résidentielle puisque pour l'instant c'est un peu la morle. L'exigence résidentielle, commerciale plutôt. Je voulais créer une zone commerciale ici. Sauf qu'il y a un petit problème. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ce truc? Ah, c'est un truc de pompier. Ok. Ouais. Faudrait casser tout ça. Donc on va en le mettre en pause. En pause. Alors on va faire ça. On reste appuyé. On peut pas casser plus. Ah, on peut pas casser ça. Chang, je suis une manif moi. Manif. Alors, on va faire ça. Et on va faire ça et on va faire ça, voilà. Et là on va faire une grande route assez verticale. Faudra juste suivre les voitures, les petites voitures. On va aller quand même dans une ligne assez droite, ensuite ça, une ligne assez droite. Donc là ça commence un petit peu à tourner, un petit peu. On commence à encore tourner jusqu'à atterrir ici. Voilà. Et tout ça, ça va être rempli de zones commerciales. Allez, c'est parti. On va faire d'une manière la plus simple. Je fais quand même attention à ce que je fais. Donc ici, on va remplir les petites cases. Non, pas cette case. Et normalement, l'électricité et eau, c'est pas bon. Donc, on va relier tout ça. Hop, c'est parfait. Donc, l'eau est bon. Et c'est parti. Voilà. C'est cool, ça. Une plus grosse rue Sainte-Catherine. La plus grosse. Une qui va par là, une qui va par là et une qui va par là. Alors, c'est super. Alors, je voudrais acheter ce terrain. Ça me fera le grand terrain que je souhaitais. Ouais. Un grand terrain. Ça se construit. Ah, c'est bien qu'ils font à côté d'ici. Comme ça, l'électricité se rejoint. C'est parfait. Allez, rejoignez-vous, construisez-vous. Faites l'amour en silence. Alors, j'ai vu aussi une vidéo. Parce que je vais souvent sur YouTube. Hein, pendant. Pour mettre les vidéos. Mais je mets plutôt les vidéos en soirée quand je vais dormir. Je laisse mon ordinateur qui est du spécial montage, etc. tourner. Puisqu'il faut mettre sur YouTube et le temps que ça prend du temps, parce que ça prend à peu près une heure ou deux heures, ça dépend de la vidéo, à s'upload. Donc je préfère le faire quand je dors. Donc voilà, c'est une petite je vous explique un petit peu hein. C'est quand même bien. Ensuite, petite chose à vous dire, c'est que j'ai vu une vidéo, j'ai tellement ri. Je me suis dit, d'un côté c'est un peu logique ce qu'il dit, mais de l'autre,
C'est pas du tout logique. C'est, y a pas d'intérêt dans ce qu'il dit. Alors, je m'explique. D'abord, il y a un monsieur, il a fait une vidéo. Bon, en attendant, on attend que ça se remplit. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo qui disait, j'aime bien faire des vidéos sur YouTube, etc. C'est ma passion, etc. Bon, là, je respecte, je dis, je critique pas. Mais ce qu'il a dit après, c'est un peu débile. Puisque si tu as vraiment la passion de faire des vidéos sur YouTube, le nombre d'abonnés ou le nombre de vues, enfin, le nombre de vues, ok, ça peut influencer un petit peu. Mais le nombre d'abonnés, tu t'en fiches totalement si tu es vraiment un fou. Enfin, un fou. Si tu aimes vraiment faire des vidéos, si c'est vraiment ta passion. Donc, voilà. Je comprends pas ce mec puisqu'il le dit. Ouais, non, mais en fait, c'est bien de faire des vidéos YouTube. C'est une passion. J'aime bien offrir ce que des choses pour vous. Mais d'un autre côté, c'est chiant parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, etc. Excuse-moi, mais t'en as 6000, c'est énorme. C'est comparé à moi, j'en ai que 20. 20? Ouais, j'en ai que 20. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, 20, même à 20, moi je me dis que c'est énorme. Hein. 20 pour moi, c'est énorme. Après, quand j'arriverai à 1000, ce qui sera dans très longtemps, puisque ma chaîne n'est pas encore connue. C'est pas encore bien installé dans le centre. Dans YouTube, quoi. Bref, et de toute façon, mon intérêt, c'est pas faire des abonnés, mais c'est plutôt faire. Plutôt partager ma passion sur l'audiovisuel et sur les jeux. Les jeux vidéo qui est quand même une grosse passion. Donc voilà. Donc le mec il disait, ouais j'adore cette passion mais ça m'encourage pas trop quand j'ai pas beaucoup d'abonnés, etc. Excuse-moi mais si mais ta passion c'est vraiment la principe le principal moteur qui t'encourage. Hein. Alors ça c'est mon fruit, c'est ce que je pense puisque quand tu es vraiment un passionné, c'est vraiment tu fais vraiment des vidéos pour ta passion et non pour déjà pour l'argent, déjà non. Si tu fais des vidéos juste pour l'argent, tu peux partir, t'es pas accepté sur YouTube. Et si tu fais des vidéos juste pour avoir des abonnés, juste pour être célèbre, aussi sortez, hein. C'est inutile, c'est inutile. Les gens vont bien se voir, ça va bien se voir. Voilà, c'est débile, faut arrêter. Si vous voulez vraiment faire des vidéos par pure passion et par pur plaisir, mais faites-le. Faites-le. C'est quelque chose qu'il faut faire, c'est votre vie, faites-le. Mais si c'est pour juste être connu, avoir de l'argent, ou YouTube Money, ou pour qu'une fille. Ah oh ouais, t'es trop célèbre sur YouTube. Ah, oh, je veux sortir avec toi. Déjà, c'est une débile qui fait ça, souvent. Parce que si c'est pour sortir avec un gars qui est hyper connu et après profiter de lui, je trouve ça débile à part des filles. Enfin, moi, j'en ai une qui me respecte, qui comprend ce que je fais, qui. Enfin bref, on va parler des filles après. Donc je termine sur le mec qui a fait la vidéo. Si tu es vraiment un fan, si tu es vraiment un passionné de vidéos, normalement, tu t'en fiches totalement du nombre d'abonnés. Totalement. Mais de totalement, hein. Après, c'est bien de passer des caps du genre, ouais, j'ai 20 abonnés, comme moi j'ai passé un cap des 20 abonnés. Et je vous en remercie complètement, hein. Totalement, je vous en remercie. Ça fait du bien. C'est après, c'est vrai, c'est un petit peu encourageant, hein, qu'il y ait un peu plus d'abonnés, qu'il y ait plus de vues, etc. Mais il faut pas que ça casse l'envie de votre passion, si c'est juste parce que souvent les youtubeurs quand ils voient qu'ils atteignent par exemple 100 abonnés, etc. Tout de suite, ils changent d'allure, ils sont complètement soit YouTube Money, yes, de l'argent, vas-y, donne mon argent, wesh wesh. Ou sinon, parce qu'ils sont célèbres, de hein, toute façon, voilà, c'est comme ça. Et non, pensez, franchement, pensez que les personnes
qui vous apprécieront, qui regarderont vos vidéos, sont souvent des gens qui sont déjà fans de vous, hein. Mais aussi qui sont qui voient que quand même vous en fichez pas de vos vidéos, vous vous donnez à fond, vous faites pas alors aujourd'hui on s'ennuie, je m'ennuie à faire cette vidéo, mais bon, c'est pour être célèbre, pour avoir de l'argent. C'est quoi cette voix que j'ai fait? Oh purée. Voilà, bref. Donc, si vous avez envie de faire vidéo, ben faites-les. Et si c'est juste pour faire vidéo parce que vous voulez devenir célèbre, ben partez. Ou pour avoir de l'argent, ben partez. Parce que moi, quand je vois des personnes qui font ça juste pour l'argent ou juste pour être célèbre, non mais sortez, hein, sortez de YouTube. Non, c'est bon, on vous accepte pas. Enfin, moi, j'accepte pas les gens qui font ça. Parce que si c'est franchement. Après, il y a les petits nouveaux sur YouTube que moi j'appelle des YouTubeurs parce qu'on est quand on fait une vidéo et qu'on la poste, on est YouTubeur définitivement, sans gagner des revenus, sans gagner des abonnés. Sans avoir au moins une vue, etc. Vous êtes quand même YouTubeur. Quand vous postez une vidéo, pour moi, vous êtes YouTubeur. Après, YouTubeur, il y en a souvent qui disent, ouais, YouTubeur, c'est... Pardon, je rotais sur dans ma gorge. Ouais, mais YouTubeur, quand même, c'est des gens, ils gagnent au moins de l'argent, etc. Oui, d'accord, comme Hypierre, etc. D'ailleurs, Hypierre, c'est YouTube, c'est sa vie, hein, sinon... Il a rien pour gagner. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je le soutiens, puisque après il peut avoir un autre travail, mais le quand même, il s'est lancé dans YouTube, il fait de bonnes vidéos, à part bon des fois voilà, mais quand même j'aime bien Hypierre, etc. Bref, on revient dans le sujet de YouTube, de la vidéo du mec. Donc tracez votre route, faites ce que vous voulez. Si vous faites un truc qui ne vous plaît pas, et ben changez, faites quelque chose que vous aimez et non pour vous faire de l'argent ou pour YouTube monnaie ou pour célébrité, etc. Moi, je le fais spécialement déjà pour avoir un contact avec des gens, puisque dans la vie de tous les jours, je suis très timide, très timide. J'ai pas beaucoup d'amis et parce que souvent les personnes dans l'établissement où je suis. Souvent, les garçons, ça parle de sexe, ça parle de... Ouais, les filles, t'as vu, elle est trop cocu, elle est trop bonne. Non, franchement. Réfléchissez un peu. Ok, elle est bonne, hein, entre guillemets, mais ça remplacera pas du tout, mais du tout, mais du tout, la beauté intérieure d'une fille. Bon, ça, on en parlera plus tard. Parce que j'ai envie d'aborder ce sujet, parce que ça m'énerve de voir des gens... Ouais, oh, non, mais t'as vu, elle est trop cocu, elle, oh, elle est trop bonne. Bon, vous avez le droit de dire ça, mais... Mais bon, ça, voilà. Ça m'énerve un peu. Bref, bon, ben, on revient un peu sur CityScaline. Et donc, pour conclure sur les vidéos, faites des choses que vous aimez. Et non pour votre célébrité, et non pour pour vos envies d'argent. Voilà, c'est tout. C'est tout, hein. Et puis voilà. Donc tout ça c'est fait. Alors, ah ben voilà, on a une exigence résidentielle un peu plus élevée. C'est bien ça. Et on a toujours plein de commerces. Et pourtant, c'est toujours assez élevé, hein, je trouve. Est-ce qu'ils ont de la place au moins pour les maisons ou ils ont tout pris? Ils ont tout pris. Bah, il n'y a pas de pompiers? Si, normalement, il doit y avoir des pompiers. Le bâtiment est en feu. Ah, c'est bon, ils arrivent. Allez, les pompiers! C'est bon. Bref! Voilà, j'ai conclu. C'était mon avis. Après, si vous voulez faire des vidéos pour vous faire de l'argent, pour être célèbre,
Mais faites-le, mais moi je regarderai pas. Hein. Je ne regarderai jamais. À part quand je vous... En fait, ça se sent quand vous voulez faire des vidéos, c'est juste pour l'argent et pour... Enfin bref, le mec qui a dit ça, lui, je pense qu'il veut juste des vues, qu'il veut être un peu plus célèbre, etc. Non, la célébrité, ça se pousse pas... Ça se pousse pas brutalement. La célébrité, le nombre de personnes qui suivent, qui sont vos fans, etc. Après, il y a des gens qui sont bien fans de vous, qui sont pas abonnés. Hein. Moi, je vous le dis, je suis fan... comment il s'appelle ce youtubeur? Enfin, je suis fan d'un youtubeur, New Titeuf, oui, voilà. NT, je suis fan de lui. Et pourtant, je me suis pas abonné à sa chaîne. Hein. Voilà, il peut avoir des fans sans pour autant être abonné à leur chaîne. Mais je vais m'abonner, bien sûr, à sa chaîne. Ce sera un petit abonné en plus, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aux gens et au moral. Donc, bref. Oui, les abonnés, ça peut vous apporter un peu de soulagement, un peu de réconfort, un peu de générosité en vous. Enfin, vous serez content en gros. Mais aussi, faut pas que vous oubliez que quand même continuer à faire des vidéos par rapport à votre passion et non par rapport au nombre d'abonnés. Voilà, c'est tout. Au nombre de vues, au nombre d'argent que vous gagnez, etc. Bref, voilà, je voulais dire ça. Et c'est bizarre, on a nos nombres de... Ouah, ça a diminué avant, c'était à 33 000. Oh là là. Bref, voilà. Donc, on a presque rien fait à part un allongement de la rue Sainte-Catherine. C'était comme l'épisode 15, on avait à peu près rien fait. Mais enfin, c'était un bon épisode, hein, on a un petit peu parlé. Et sur cet épisode, on a beaucoup parlé. On a parlé sur de YouTube. Qu'est-ce qu'il faut faire un petit peu, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Là, franchement, la première règle sur YouTube, enfin, c'est même pas une règle, c'est une obligation. Faites des vidéos par rapport à votre passion. C'est tout. C'est là, c'est la première règle que je vous donne. Et voilà. En espérant que vous l'appliqueriez. Et les amis, on se retrouve pour un prochain épisode qui se trouvera... Alors là, cet épisode, c'est pour lundi. Ça sera pour mercredi. Donc mercredi, ça sera l'épisode numéro 17 que je tournerai lundi ou dimanche soir. Et j'espère que vous avez été content de mon point de vue, parce que partager un petit peu nos points de vue, ça fait plaisir. Surtout moi, parce que j'aime bien partager mes idées avec vous. De plus, si vous voulez me dire quelque chose, si vous voulez qu'on parle de ce sujet sur YouTube, etc., vous pouvez le faire. Vous pouvez me parler soit en commentaire, hein, de la vidéo, en commentaire, j'y répondrai. Je réponds toujours aux commentaires parce que ça me fait plaisir. Et voilà. Parce que moi, j'aime bien avoir... un rapport entre les personnes, puisque je suis très timide, et YouTube, ça me bat un petit peu contre ma timidité aussi. Donc ça fait un bien psychologique en moi. En moi, ça fait un bien psychologique. Et ça me fait plaisir parce que c'est ma passion, c'est tout, c'est tout. Un bien psychologique et ma passion, c'est tout. Voilà pourquoi je suis sur YouTube. Bref. Donc j'ai que ça à dire. Si vous avez envie de réagir, postez en commentaire, ou alors envoyez-moi un petit email. Allez sur à propos, après contact, enfin contact pro, je pense. Il y a mon email. Envoyez-le, même si c'est pas pro ou pas, j'y répondrai. Si vous voulez pas que les gens voient votre commentaire, si vous voulez plutôt que ça soit privé. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous voulez vous abonner, faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre un like, faites comme vous voulez. Si vous voulez réagir, bien sûr, faites comme vous voulez. Je vais pas vous forcer. Je le dirai tout le temps dans mes vidéos. Mais faites comme vous voulez. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Et à bientôt tout le monde. Et on se quitte. Allez, à ciao, bonsoir tout le monde.